à concombre. Deuxième concombre. Chouette. Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? Bah écoutez, moi ça va, mais j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui. Je sens que je commence... Après je bois tellement froid aussi, bah, que j'ai mal à la gorge, donc je vais me faire du thé avec du miel. Aujourd'hui nous sommes samedi 29 juillet. Le temps ce matin, il pleut pas, mais... Il paraît que c'est prévu quand même. Là, je suis sur la route. Je vais chez mon beau-frère. Parce que bah, si vous voyez derrière moi, il y a Eric avec sa petite camionnette. Et on prête la camionnette à mon beau-frère. Parce qu'il fait un déménagement. Du coup, on s'en va lui ramener. Et puis comme ça, moi, je peux reprendre Eric après. Et en rentrant, je me fais un thé au miel parce que j'ai mal. Et je préfère le faire tout de suite parce que sinon, si j'attends, je vais avoir encore plus mal. Sinon, j'ai bien dormi. J'espère que vous aussi. Ouais, ça a été une nuit assez bien. J'ai été couchée vers 2h du matin. Juste après, quand je suis rentrée de la séance... Bon, le temps de me préparer et tout, hein. Puis après je suis montée, j'ai regardé Vendredi tout est permis. Alors qu'est-ce que j'aime bien ça, qu'est-ce que je rigole, j'adore ça. Et puis après je me suis endormie et je me suis réveillée à 10h ce matin. Ensuite comme vous avez vu, j'ai préparé le petit déjeuner à Eric. Alors lui c'était des œufs sur le plat avec son café, hein, bien évidemment. Moi, j'ai pris qu'un café. Je n'ai pas mangé. J'avais pas faim. Après, Julie s'est réveillée. Elle a déjeuné aussi. Et puis là, bah, comme je vous dis, on va ramener la camionnette. Et puis, le programme aujourd'hui, bah, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Alors déjà, bah, moi, je vais faire un peu de ménage. Hein. Bah, là, Julie est en train de déjeuner encore. Donc, je ne sais pas... combien de temps elle va en avoir, moi j'espère assez vite, mais je lui ai dit de débarrasser. Elle a atterri de toute façon. Et puis je vais regarder ce que je vais regarder ce que je vais faire à manger ce soir, mais non, ce soir c'est pommes de terre au four. Il faut juste que j'achète de la crème fraîche pour faire ma petite sauce crème fraîche ciboulette. Donc il faut que j'achète de la crème fraîche. Et puis voilà, on va faire ça ce soir. Ce sera très très bien. J'ai envie de manger du bouillon. On a fait un truc de fou. Hein. Oh. Mais bon, là je peux pas en faire. Je suis en week-end. Et manger de la soupe en week-end, c'est pas très bon pour moi. Après, je sais que je vais faire la gourmande. Et je vais prendre du poids sinon. Hier, j'ai super bien mangé à la séance. On a eu de l'hachis parmentier. On a eu une soupe au poireau, une petite salade nature avec rien dedans, quoi, je veux dire que de la vinaigrette. On a eu deux yaourts, une mousse au chocolat et un fromage blanc et le pain. Et franchement, j'ai super bien mangé. Donc c'était cool. Donc ce que j'ai pris moi, ben, j'ai tout ramené. Hein. La mousse au chocolat, je l'ai ramenée également parce que je n'aime pas la mousse au chocolat. Et puis voilà, il a fait 21 degrés. Il est midi. Oui, je ne vous ai pas dit l'heure qu'il était. Il est midi. 5 minutes près. Mais il ne fait pas froid. La preuve, je suis en t-shirt. Il ne fait pas froid du tout. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Parce que c'est chiant quand il pleut, en fait. Eric va regarder la machine à laver après. Hier, il n'y a pas eu le temps. Ah oui, parce que hier, Eric est venu à l'hôpital hier me voir. Vous savez pourquoi? Quand je suis arrivée, je regarde
Et je dis, mince, j'ai oublié mon casque. Et sans casque, je ne peux rien faire. Donc, je regarde à l'arrière, il y avait les écouteurs de Julie. Donc, je me dis, oh bah, ça va être cool, au moins j'aurai quelque chose. Mais moi, j'ai pas de trou pour mettre des écouteurs. Voilà, sur mon téléphone, je n'en ai pas. Donc, je téléphone à Eric, je dis oui, j'ai oublié mon casque. Il dit bah oui, il est sur la table. Bah, du coup, j'ai merde et tout. Bon, du coup, je lui dis que j'ai l'écouteur Julie. Il me dit bah ouais, mais il dit ça marchera pas. C'est pas compatible. Je dis ah ouais, c'est vrai. Du coup, je lui dis bah Julie, elle peut me ramener le casque. Du coup, il m'a dit bah j'arrive. Donc, il est venu, il a fait 40 minutes de route pour ramener mon casque. Et puis, du coup, il est reparti après, hein, 40 minutes de retour également. Du coup, il n'y a pas le temps de regarder la machine. Hein. Donc, il va le faire aujourd'hui. Voir ce qu'elle a, parce que je ne peux pas rester sans machine, moi. C'est impossible. 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 Donc, il va regarder ça. Et puis, franchement, j'espère que, bah, que je ne devrais pas racheter une machine. Hein, parce que ce mois-ci, hein. C'est pas que je peux pas, mais c'est que bah, c'est mieux de pas acheter, quoi. Voilà. C'est toujours ça en moi, en fait. Hein. Là, j'ai ma copine qui fait mes ongles. Elle a mis sur son Facebook le nom d'un restaurant du côté de Lens. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, c'est le poulet d'enfer. Donc, ça a l'air super bon. C'est que de la volaille, bien sûr. Hein. Fait maison, 100% fait maison, c'est écrit. Hein. Donc j'ai pris le nom et tout, l'adresse. Et Eric m'a dit qu'il en a déjà entendu parler, parce que Eric travaille des fois du côté de Lens. Et je lui ai dit, bah, t'es 4, on ira faire ce restaurant, le 100% maison. Moi, ça m'intéresse. Et j'aimerais bien. Ensuite, on a eu aussi un petit papier d'un petit restaurant. Ah, c'est pas restaurant, hein. C'est genre qu'ils font des panini, des pâtes, dans ma ville, c'est nouveau, donc j'ai des Eric à T4 aussi, quand on a la flemme le soir, et bah on va se commander une petite chose pour goûter, voir si c'est bon, et comme ça si c'est bon, bah c'est plus cool, parce que c'est juste à côté de notre maison, donc ça tomberait bien, parce qu'il y a par moments, moi dans ma ville j'ai pas mal de friteries et franchement tout ce que j'ai fait il n'y en a aucune que j'aime. C'est compliqué de trouver une bonne friterie, hein, quand même. Mais bon, là je suis trop contente. Ma nièce, ma filleule, elle a eu son CAP coiffure. Elle fait ses coiffures, mamma mia. Elle gère la poupinette, elle gère. Vincent va à la piscine aujourd'hui. Là, il y a trop de la chance. Moi, c'est ce que je disais à Eric. La piscine me manque trop. Trop. Franchement, moi, avec le cathéter, c'est vraiment embêtant. Parce que bah, je peux aller à la piscine. Hein, mais il faut que vraiment que j'ai un collant assez bien costaud. Hein, pour pas qu'il se décolle, en fait. Hein. Mais ça me manque. Mais j'ai dit, ah, moi, faut que j'y vais à la piscine. Après, je vais pas toujours faire trempette mon corps. Mais juste pour nager un petit peu. Et puis surveiller si le pansement se décolle pas. Et puis, ça me manque. On est vraiment privé quand on a un cathéter, hein, franchement. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Bon, le mois de juillet est déjà terminé. Franchement, on n'a pas eu beaucoup de soleil, hein, en juillet. Hein. Je plains ceux qui ont été sur la côte d'Opale. C'est pas à gagner. Hein. Moi, je devais être là, normalement. J'étais en Normandie. Mais comme j'ai dit dans mon vlog, que bah, on a reporté, hein, parce que vu le temps, ça sert à rien. Moi, si c'est pour mettre des paletots, hein, des gros manteaux, des caouets, se promener avec un parapluie et puis rester enfermé dans le camping-car, ça ne m'intéresse pas. Donc je préfère reporter, de toute façon on a le temps, hein. On a jusque septembre, donc
on va en profiter, il n'y a pas de souci. Là, ma cousine est arrivée en Haute-Savoie. Bon, ça va, elle a du beau temps quand même. Il lui reste 17 jours de vacances. Qu'elle profite parce que ça passe super vite. Ouais, mais hier, il a fait quand même 24 degrés hein, hier. Hein. J'ai mal à la gorge. Oh là là. Faut que j'achète des pastilles. Moi, ça se fait que Eric ne me suit plus là. Je ne le vois plus. Bon, il a peut-être eu le feu rouge alors. Bon, c'est pas grave. Il va me rattraper. J'ai envie d'éternuer. Bon, allez. Je vous reprends tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Il est 17h30. Alors, on n'a rien fait de spécial aujourd'hui. Hein, vu le temps, il n'y a pas arrêté de pleuvoir cet après-midi. Du coup, après qu'on a ramené la camionnette chez mon beau-frère, on est rentré. Et puis, on a commencé à ranger un petit peu la maison. Julie regardait la télé. Elle regardait la petite sirène. Eric, lui, était à ses occupations d'outils. Il rangeait un petit peu tout son matériel. Et puis moi, je m'occupais de la maison. De toute façon, il y avait que ça à faire. Et puis après, je me suis installée dans le fauteuil aussi. Et j'ai regardé la télé avec Julie. J'ai même fait un petit somme. Pas longtemps, mais un petit somme. Et puis là, j'ai vu l'heure, il est 17h30. Du coup, j'ai décidé d'aller acheter du pain. Parce qu'on n'en a plus pour nous ce soir et demain matin. Et puis, j'avais oublié que je devais aller à Auchan pour les crevettes. Alors, vu l'heure, je ne sais pas s'il y en a encore. Mais je vais tenter quand même d'aller voir pour aller chercher 1 kg de crevettes. Pour manger un petit peu ce soir avec les pommes de terre au four. Donc, on va aller voir ça. Eric s'est mis en mode tenue de maison. Et puis il s'est installé dans le canapé aussi. Franchement, il n'y a rien à faire. Et franchement, le temps, il nous a fatigués. Alors, on regardait la télé. En plus, on a fermé les rideaux. Ben voilà, c'était en apesanteur, on était. C'est ça, c'est le mot. Donc là, Eric m'a demandé où j'allais. Du coup, je lui dis, je vais chercher du pain. Et puis là, je viens de me rappeler que je devais aller chercher les crevettes. Donc, je vais y aller tout de suite. Je ne suis pas très loin de Auchan, moi. Amélie va au restaurant ce soir parce que ça fait une semaine qu'elle est mariée. Ça passe vite quand même. Alors, je lui dis, pour une semaine, tu vas au restaurant? Elle dit, oui. Elle dit, Quentin, il a voulu qu'on fête nos une semaine. Je dis, c'est cool. C'est cool. D'habitude, on fait un mois hein, plutôt, mais bon, ils ont décidé une semaine. Après, c'est normal. Hein. C'est des jeunes mariés. Donc, ils vont au restaurant ce soir. Ils vont sur Arras, je crois. C'est Quentin qui l'a trouvé, ce restaurant. Là, aujourd'hui, elle a été chercher au printemps à Lille. Elle a fait sa commande pour une ménagère parce que c'est les grands-parents de Quentin qui ont payé une ménagère pour eux, quoi, leur cadeau de mariage, et Amélie, elle devait aller choisir. Donc, elle a été, et franchement, elle a fait une bonne affaire. Ouais, une très très bonne affaire. Au lieu de 400 euros, elle a payé 250 euros. Donc, très bonne affaire. Et puis, après, elle est revenue, et ils ont commencé à faire... J'arrête de parler parce qu'il y avait un piéton. Leurs escaliers, voilà, ils ont poncé tout et puis ils vont remettre en vernis, je ne sais quoi. Donc c'est un petit peu de travaux dans leur maison aujourd'hui. Et puis après, s'en aller. Après ils vont se préparer quoi pour aller au ce fameux restaurant. Elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer des photos. Donc
on verra bien. Moi, j'ai jamais été dans un restaurant du côté d'Arras. Après, ça fait loin de chez moi. Mais bon, pourquoi pas un petit 4. Et puis voilà, du coup, on n'a rien fait de spécial aujourd'hui. Vu la pluie, je voulais aller chez ma belle-sœur et tout, mais... J'ai dit, tout compte, on est resté à la maison et puis on s'est relaxé, ça nous a fait du bien. Mais franchement, moi j'ai l'impression d'avoir mal à la tête, à rester comme ça, rien faire, ça me convient pas trop. Mais bon, on n'a pas le choix, quand il pleut, on peut pas faire autrement. Hein. Mais bon, là le soleil a l'air de se lever, ça a l'air d'aller, il fait 22 degrés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça va pas être un vlog intéressant hein, parce que j'ai pas fait de pâtisserie non plus, pas de goûter, j'ai rien fait de tout ça. Et puis puis j'ai mangé un bol de soupe entre deux parce que comme j'avais mal à la gorge, c'est peut-être ça aussi que ça m'a fatiguée. Du coup j'ai pris un petit bol de soupe en briquette hein, que j'avais à la maison. Et puis j'ai dit à Eric on va manger des sardines aussi ce soir avec les pommes de terre au four, parce que les sardines, c'est plein de protéines. Alors, pour 100 grammes de sardines, vous avez 25 grammes de protéines. Donc, c'est énorme. Hein. Et puis, moi, comme je ne suis pas tellement viande, franchement, si je peux trouver des protéines dans les sardines, ça me convient parfaitement. Donc là, je vais chercher les crevettes. J'espère qu'il y en a, sinon tant pis. Je prendrai un petit pot de crème fraîche, un pot de crème fraîche. Je prendrai des sardines. J'en ai, je crois, à la maison, hein, mais je vais essayer de trouver une autre saveur. Pardon. Une autre saveur, on verra bien. Et puis, moi j'avais envie de boire un coca tout à l'heure. Et en fait, j'avais acheté que du iced tea dans mon retour de course. Et franchement, le iced tea, j'aime pas du tout. Ça me fait mal au ventre. D'ailleurs, j'ai eu mal au ventre. Non, franchement, ça ne me convient pas le iced tea. Pourtant, je le bois frais et tout, hein, mais j'aime pas. Du coup, je vais m'acheter du coca. Et puis voilà. Hein. J'ai pas bu de café depuis ce matin. Eric, tout à l'heure, il en a bu un. Il m'a dit, t'en veux un? J'ai dit non. Et puis, non. Parce qu'en fait, je pensais qu'on allait sortir cet après-midi. Et puis, je me suis dit, si j'en bois chez ma belle-sœur, je vais pas en boire à la maison. Du coup, comme il n'y a plus, on n'est pas sorti. Hein. Même moi, j'étais en tenue de maison. Voilà, pour maintenant, on sort plus après. Hein. Là, je rentre. Je prépare mes pommes de terre. Ma petite sauce crème fraîche ciboulette. Et puis, voilà. Puis après, j'ai de la charcuterie. J'ai des acras de morue. Si j'ai les crevettes, ce serait bien aussi. Les sardines. On va être bien. Hein. On va être bien. Ça va être pas mal. Et puis demain on verra. J'ai envie de manger du bouillon. J'arrête pas de le dire. Même à Julie, je le disais. Et quand j'étais chez Lidl la dernière fois, il n'y avait pas de navet et il n'y avait pas de poireaux. Il faut courir à grand frais. Mais j'en ferai un la semaine prochaine. Si le temps est mauvais. Mais moi, de toute façon... Même en été, hein, franchement, moi, ça ne m'embête pas de faire un bouillon. Franchement, au contraire. Même Amélie me dit par un temps pareil, moi, ça me dérange pas. Franchement, les gens mettent pas leur clignotant. Comment voulez-vous qu'après, on sache où ils vont? Oh. Après, ça se plaque des accidents. Ouais. Bon, je ferai un petit bouillon que pour moi et puis Eric, et puis c'est tout. Hein. Et puis, je lui dis, elle en mangera pas. Hein. Là, il reste un petit peu de charlebois encore. Pas beaucoup. Hein. Donc, peut-être que Julie va le finir aussi ce soir. Je ne sais pas.
ou Vincent, j'ai pas de nouvelles de Vincent. Je lui ai envoyé un message, il m'a pas répondu. Il m'a dit, hier, il m'a dit, je vais à la piscine. Je ne sais pas s'il est à la piscine. J'ai aucune nouvelle. Je ne sais pas. Bon, allez. On va faire la route pour aller à ce fameux Auchan pour trouver des crevettes. Je prendrai un kilo parce que vu le prix, franchement, ça vaut le coup. Mais bon. Ce qui est embêtant, c'est qu'elles sont décongelées. Donc, on ne peut pas les recongeler. Sinon, j'en aurais acheté 3 kilos. Hein, et je les aurais congelées, mais c'est des crevettes décongelées. C'est pas grave. Hein. Après 7 euros le kilo, ça vaut vraiment le coup parce qu'il faut compter entre 10 et 13 euros le kilo normalement. Donc, à 7 euros, ça vaut le coup. Je l'ai même dit à Amélie, mais elle ne m'a pas encore répondu. Peut-être que si elle en voudrait, je lui en prends. Mais elle ne m'a pas répondu. Donc voilà. Bon allez, je vous dis à toutes. Bon, et ben, il est 18h. Je sors de chez Auchan. Donc, ben, il n'y en avait plus des crevettes. Hein. Mais j'en ai trouvé à 9,99€ le kilo. Donc faites attention si vous en achetez. Si vous allez côté poissonnerie, faites bien attention, il y en a à 9,99€, mais il n'y a que seulement 750 grammes. Et moi, celle-ci, je l'ai trouvée à l'entrée du magasin. Il faut voir qu'il y a plein de promotions. Je regarde si ça sort pas, mais non, ça va. Il y a plein de promotions et je les ai vues à 1 kilo à 9,99€. Et du coup, avant de les prendre, j'ai été voir à la poissonnerie s'il y avait... justement, ceux à 7 euros le kilo, mais il n'y en avait plus. Après, je m'en doutais un petit peu, hein, quand c'est comme ça, vous venir du matin. Mais j'avais complètement zappé. Donc, je suis repartie tout au début du magasin, chercher les 1 kilo à 9,99€. Alors, faites bien attention surtout. Hein. Ensuite, bah, j'ai pris la crème fraîche. J'ai trouvé les sardines, alors j'ai pris 3 boîtes de sardines. Alors franchement, c'est pas donné ça. Hein. J'ai payé presque 2,80€ la boîte. J'ai pris sardines au sac B, comme ceci. J'ai pris des sardines aux échalotes. Ça sera pour Eric. J'espère que vous voyez bien, parce qu'avec le soleil. Et là, c'est pour moi. Sardines préparées à la main de la marque Connétable. L'autre, c'est aussi Connétable et l'autre, c'est la marque Auchan, aux écorces de citron et d'orange. Ensuite, je me suis prise des petites langues comme ça, Bublis, les mini surf. Ça pique un max. On va goûter ça après. Et j'ai trouvé un nouveau paquet de bonbons. Carambar au goût caramel. C'est des caramolos. Donc, c'est des bonbons tout nouveaux en fait. Donc c'est nouveau. Et du coup, eh ben, je goûterai ça à la maison. Et bien évidemment, ma plaque de chocolat merveille du monde. Voilà pour les courses du jour. Maintenant, je rentre et je vais à la boulangerie chercher des baguettes. Alors, je vais en prendre 2 seulement, je pense. Ouais, 2, il y en aura assez. Allez, c'est parti, on y va. Ouais, faut que tu bouges, monsieur, parce que sinon, je peux pas sortir, moi. Voilà, c'est bon, je suis sortie. Ah, les gens se gardent n'importe où. Après, on ne peut pas bouger. Hein. C'est pas possible, ça. Il y a du monde, quand même. Il y avait pas mal de promos, je trouve. Hein. Mais bon, après, moi, ça ne m'intéressait pas. Hein. Et puis, j'ai pas le temps. Et puis, j'ai pas le temps. Comme Eric ne sait pas que je suis à Auchan, je suis partie comme une voleuse.
Les gens, ils sont surpris parce qu'ils n'entendent pas ma voiture. Et je le dis souvent. Hein. Donc, je suis obligée de rouler au pas quand même. Après, on est dans un parking. Hein. Donc, moi, je fais très attention. Parce qu'il peut y avoir un enfant qui court ou même un animal. Hein. Pourquoi pas aussi. Hein. Voilà, moi, allez, c'est parti, on repart. Il fait 23 degrés. Non, mais c'est tout le temps comme ça. À chaque fois sur le coup de 18h, il fait beau. Il y avait des moules aussi, les moules de Hollande. 3 kg, 9,99 euros. J'ai hésité hein, pour moi demain. Mais au pire, je vais demander à Eric. Et puis demain matin, on peut venir en chercher. Parce que c'est ouvert le dimanche matin au champ. Et franchement, ça donnait trop envie. Après 3 kilos, il faut que les enfants viennent manger. Hein. Parce que 3 kilos à nous deux, puis Julie, elle en mange un petit peu seulement. Donc, bon, je vais goûter. Je vais goûter ça. Je devais passer à Action aussi pour acheter mes bonbons à la menthe, vous savez, de la voiture. Parce que j'en ai plus. La barbe à papa. Mmh. Ouais, ça sent bon. Ça sent bon. N'importe quoi. C'est super bon. Mmh. J'aime beaucoup. Ah ouais. En plus, c'est petit, donc ça va. Ça colle pas trop à mes dents. Mais j'aime beaucoup. Je crois que le paquet il va y passer. Hein. Oh là là, je le sens. Après, je goûterai au caramel. Ça m'intrigue le caramel. Là. Bon, j'espère que ça va pas faire trop mal aux dents. Hein. Il fait chaud. Hein. On va allumer un petit peu la clim. Il fait chaud. Ma friteuse aussi à la nettoyer. J'y pense. Bon, ça va aller vite. Hein. Et ben, je l'ai déjà fini. Bon, j'en reprends un autre. Trop bon. Franchement. Ouais, j'aime beaucoup. Je crois que j'ai adopté ce paquet de bonbons là. Donc dès que j'ai fini celui-là, je goûte au caramel. J'aime bien la sensation dans la bouche qui pique là. Bon allez. Je vais peut-être m'arrêter chez Action. Je vous reprends après. Bon, je sors de chez Action. Il y a du monde. Le parking est rempli. Je suis encerclée de voitures. Truc de dingue. Donc, ben, j'ai trouvé mes bonbons. J'ai pris qu'une boîte parce que c'est juste pour la voiture. Dans mon sac de l'hôpital, j'ai une boîte. Donc là, c'est bon. J'ai pris un shampoing. Je connais pas comme ça. Donc, comme moi, j'en ai plus beaucoup de la marque Côté, du là que j'aime beaucoup. J'en ai plus beaucoup. Donc, comme j'étais sur place, j'ai dit allez, je vais prendre ça. Je me suis prise un dentifrice Zandium. Voilà, je le prenais avant. Je le prenais, je crois que je l'achetais à la pharmacie en plus. Ça renforce les défenses de la bouche pour les aphtes. Et bouche sèche. Écoutez, hein, formule douce. Et j'ai pris une nouvelle brosse à dents. Elles sont nouvelles. Elles sont roses. Avec des petites paillettes à l'intérieur. Très, très légères. Donc, j'ai pris rose. Il y avait bleu, vert. Toutes les couleurs. Bon, allez, avant de démarrer.
on va goûter ce fameux bonbon. Parce que moi, toute la route, j'ai mangé les petites langues là. C'était super bon. Hein. Oh, ça sent bon. Voilà. Un carambar, en fait. J'aime pas tellement. Déjà, c'est dur. Je préfère ça. Et en plus, c'est pas très très sucré en fait. Moi, j'aime bien le sucre. Bon, je viens de manger. Hein. Mais je raffole pas. Non, je raffole pas. Eric, je pense pas qu'il va aimer non plus. Au pire, je le donnerai à ma nièce. Ah, j'ai du mal. Je suis désolée, mais je vais le cracher, j'aime pas. J'aime pas du tout. Flop, carambar. Du coup, je reprends ça. Mes préférés. Ouh, la musique, j'avais oublié. Allez, c'est parti. Une petite marche arrière. Là, faut faire attention. Parce que les gens passent derrière votre voiture, même quand vous faites marche arrière. Et puis les voitures sur vous, souvent aussi. Hein. Ça roule. Hein. Hop. Allez. Bon, allez, je vais chercher baguette et je rentre à la maison. Alors, du coup, j'ai dit à Eric que j'étais chez Action. Et du coup, je lui dis, tu peux mettre les pommes de terre au four. Il m'a dit, bah, du non, laisse tomber. On va manger une tartine. Enfin, on va prendre du pain. C'est pour ça que j'ai pris, je vais prendre des baguettes. On va manger sardines, crevettes, acres de morue, charcuterie. Voilà. Il n'y a pas besoin de pommes de terre. Donc ça me va très bien. Bon, allez, c'est parti. Je pense me prendre un bain ce soir. J'en ai besoin. Vous avez vu mes cheveux avec le vent? Ils vont dans tous les sens. Oh là là. Moi, si je les lave pas tous les jours, j'arrive pas à les positionner. C'est incroyable. Bon, après, aujourd'hui, comme je savais que je sortais pas, je les ai attachés en fait. Hein. Oh, franchement, ces bonbons là, les langues, ah là là, sont trop trop bons. Hein. J'adore, trop bon. Ah ouais, là pour le coup, la marque Lucky, je dois assurer. Moi, j'avais jamais acheté ce paquet là, et ben franchement, j'adhère. Je crois que Auchan va me voir souvent pour acheter ce paquet là, parce qu'à Intermarché, j'en ai pas vu ni chez Match. Au champ, là c'était moins de 2 euros le paquet, je crois. On ne sait plus. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, je rentre à la maison. Je suis arrivée en passant. Bon, j'étais chercher le pain et j'avais oublié de prendre mon coca à Auchan. Du coup, bah, j'étais à Match, hein, c'est juste à côté. J'ai pris du coca, mais j'ai pris en bouteille parce que franchement les canettes en ferraille là, je sens qu'il y a un goût bizarre, donc je préfère, bon, c'est un petit peu plus cher hein. C'est presque 2,50 de plus, mais on va pas dire c'est plus meilleur, mais c'est quand même meilleur. Et puis les 3 baguettes, alors ils sont bien chaudes, ça sent trop bon le pain. Bon, je vais ouvrir le portail. Je rentre dans la voiture, je range les courses et après, on se prépare pour manger. Parce que moi, je commence à avoir faim. Et les sardines et les crevettes me donnent faim. Heureusement que j'ai mis dans un sac isotherme les crevettes. Parce qu'avec tout ce que j'ai fait sur la route, tous les arrêts avec 22 degrés dans la voiture, de toute façon, j'ai toujours un sac isotherme moi, dans la voiture. Toujours, toujours. On ne sait jamais. Allez, je vais ouvrir le portail et je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, je vous reprends dans la salle de bain. Il est 20h20.
On a fini de manger. Alors on s'est régalé, franchement, c'était très bon, très simple. Franchement, il faut pas beaucoup de choses pour se régaler. Sardines très très bonnes, deux trois crevettes, deux trois acras de morue. Franchement, j'ai le coco plein. Franchement, on a super bien mangé. Julie n'a pas encore mangé. Elle est en train de faire le grand ménage dans sa chambre. Donc, elle en a enlevé des vêtements. Elle fait le tri. Donc, ça, c'est plutôt cool. Eric a réparé la machine à laver. Alors, tout compte fait, en fait, c'était, vous savez, la porte de la machine. En fait, moi, je la claque tout le temps, en fait. Il me dit, faut pas la claquer. Et c'est ça que moi, j'avais abîmé. Et heureusement que sur une ancienne machine, c'était la même qu'on avait récupérée à mon neveu. Et on a gardé les pièces, en fait. Du coup, Eric l'a changée. Et elle va, la machine. C'est cool. Donc, j'ai fait des machines depuis tout à l'heure. Je l'ai mis à sécher dans la maison. Parce qu'Eric m'a dit que demain, il pleut aussi. Donc, je préfère faire aujourd'hui, puis que ça sèche jusqu'à demain. Voilà. On va mettre deux. Hop. Bon. Et ben moi, je vais prendre ma douche. Brossage de dents. Petit soin rituel du soir. Et puis voilà. Le vlog de cette journée sera terminé. J'ai bu un coca tout à l'heure en mangeant. Oh, ça faisait trop du bien. Là, j'en ai remis un deuxième dans le frigo. Enfin, dans le congélateur. Pour moi, après. Pour manger avec quelques graines de tournesol. Voilà. Et puis, on va manger une pêche du jardin. Et vous avez vu le concombre que j'ai récolté? Franchement, il est trop beau. Et je ne sais pas si je vais le donner à Amélie ou si je vais le faire demain. Je vais voir. On verra bien. Là, la grosse, elle est partie. Je dis la grosse parce que je l'appelle comme ça. Elle est partie au restaurant. J'attends toujours les photos qu'elle m'envoie. J'ai eu quand même des nouvelles de Vincent. Il était parti à la piscine, hein, mais il a été toute la journée. Donc, il est rentré chez lui, là. Tranquille. Donc, je pensais qu'il aurait venu à la maison manger, mais non, il est rentré chez lui. On le verra sûrement demain. Voilà pour ça. Bon, ben moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog avec moi pour de nouvelles aventures. À demain. Bisous. Ciao.